Décortiquons maintenant un transfert pivot assisté avec une personne hémiplégique. Remarquez qu'on lui a déjà mis une attelle sur son bras gauche. L'intervenant se place et place son genou en dessous de la rotule du client, lui demande de mettre son bras autour de son épaule. Elle se positionne ensuite pour pouvoir effectuer le transfert. Elle penche vers l'arrière et lève. Et la voici maintenant qui prend un moment de répit avant de tourner et d'effectuer le reste du transfert. Ensuite, elle replace son genou sous la rotule du client. Elle lui demande de pencher beaucoup en gardant son dos droit. Et ensuite, on descend et ça fait un mouvement de balancier entre l'intervenant et le client, jusqu'à ce qu'il soit bien positionné dans le fond de sa chaise.